Marianne Blume, would you please come forward? She will discuss whether there is a case of deliberate imposition on a racial group or groups of living conditions calculated to cause its or their physical destruction in whole or in part. Thank you, Marianne. First, for the audience who is mostly English speaker, I apologize, I will speak in French because my English is not good enough to carry my ideas. No apology necessary. So, la première chose que je voudrais dire, c'est que je parle ici à titre de témoin pour avoir vécu pendant 10 ans à Gaza de 1995 à 2005, avoir été durant la première intifada de nombreuses missions et depuis mon retour, avoir aussi participé à de nombreuses missions dans les territoires occupés. Et ma réflexion, c'est forcément aussi faite à partir de lectures, notamment de sociologues. Quand on vit dans les territoires occupés, on s'aperçoit très vite qu'en fait, on est l'objet de toute une série d'actions menées par la politique israélienne. Et ces actions semblent chaque fois ponctuelles. Une fois, c'est une incursion, une fois, c'est un bombardement, une fois, c'est un empêchement de pouvoir se mouvoir, une fois, c'est un droit qui est dénié. Et très vite, on a l'impression qu'en fait, le droit en général condamne des actions séparées sans voir qu'il y a une intentionnalité et une politique générale. Alors, il est difficile de définir exactement cette politique israélienne. Certains, et non des moindres, par exemple Jane Engelhardt ou bien Miguel Descoto, ont parlé de génocide. Certains, plus prudemment, ont dit génocide lent, comme Tania Reinhardt ou Ilan Pappé pour le Gaza. D'autres ont parlé, comme Lev Greenberg, de génocide symbolique. D'autres encore, de génocide culturel. Alors, outre que le terme de génocide, en Occident en tout cas, a une forte opposition, d'après les spécialistes du droit, bien sûr, la politique israélienne ne répond pas à la définition de génocide. Alors, dans ce tribunal, vous allez aussi essayer, messieurs les juges, de voir s'il y a un nom pour qualifier l'ensemble de cette politique qui sera apartheid. Je ne suis évidemment pas qualifiée pour ça. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que pour moi, la politique israélienne dépasse l'apartheid. À savoir que pour moi, pour avoir vécu là, et en ayant lu les documents de Jawad Abdel Saleh, ou bien de Baruch Kimmerling, ou bien encore de Galtung, je veux dire que la politique israélienne est une politique délibérée de destruction des Palestiniens comme groupe organisé. Alors, depuis la Deuxième Guerre, il est impossible pour les Israéliens, avec la primordialité du territoire, de faire disparaître les Palestiniens. Même si le territoire d'Israël s'agrandit, les Palestiniens sont toujours là. Comment faire donc pour les rendre invisibles, ou en tout cas pour les faire disparaître, soit qu'on les transfère, comme Ingrid en a parlé, soit qu'on fasse d'eux, finalement, ce qu'ils étaient à leur début, des sorte d'image morte dans des paysages bibliques, sans existence si ce n'est folklorique ou exotique. Alors, je prétends qu'il y a réellement une volonté de faire disparaître les Palestiniens comme groupe organisé, en s'attaquant à leur territoire, en s'attaquant à leurs organisations politiques et aux institutions, en s'attaquant à l'économie, à la culture, au patrimoine et à l'histoire, à l'éducation, et en usant d'une violence disproportionnée. Alors, je ne vais pas refaire toute la description. Destruction du territoire, toute société a un territoire. La destruction du territoire, je ne vais pas vous la raconter, vous la savez, depuis 1948 jusqu'à aujourd'hui. Destruction du territoire, ghettoisation, exclusion du territoire de Gaza, avec isolation. Qalkilia étant un exemple, par exemple, en Cisjordanie. Deuxième chose, faire disparaître cette population par notamment un nettoyage ethnique commencé depuis 1948. En 1967, on a de nouveau plus de 400 000 personnes qui sont déplacées, ce qui, il faut bien vous dire, fait un tiers de la population de la Cisjordanie et de Gaza. Jusqu'à aujourd'hui, où on vous a expliqué les transferts qui se font à cause du mur, mais dernièrement encore en lisant le Haaretz, les Bédouins qui sont en zone C, pour permettre l'expansion de la colonie de Malé Adoumim,
on les projette aussi de les transférer, de les déplacer. Détruire aussi l'habitat. Je crois que Jeff Alper nous parlera notamment des destructions des maisons, des destructions de tout ce qui est fait. C'est depuis 48 aussi. 400 villages en 48 ou plus. En 67, démolition aussi de quartiers, dont par exemple le quartier à Jérusalem, le quartier musulman, jusqu'à aujourd'hui où les démolitions vont, ce qu'il disait, jusqu'à 26 000 maisons démolies. Je ne parlerai pas de Gaza, où le quartier entier du bloc O a été complètement démoli. C'est aussi détruire une société. La détruire comment? En la divisant. 48, on vous l'a dit, des Palestiniens d'Israël, de Gaza avec l'Égypte, de Cisjordanie avec la Jordanie, les réfugiés de l'intérieur dans ce qui reste du territoire palestinien, les réfugiés dans les pays limitrophes et enfin les gens de la diaspora. Aujourd'hui encore, nous avons cette division, mais cette division est encore accentuée puisqu'aujourd'hui, on peut dire que la bande de Gaza est carrément séparée de la Cisjordanie. On me dira qu'il y a eu un safe passage, il a duré 6 mois. Diviser la société, aussi détruire le tissu social. Cette ghettoisation, cette division, fait que le tissu social palestinien est complètement démoli. Quand je vous dis ça, je vous donne un petit exemple. Il suffit d'avoir travaillé avec des ONG palestiniennes, par exemple à Gaza, pour savoir qu'une ONG, même si elle a son siège à Ramallah et puis à Gaza, devient comme une sorte d'entité à part parce qu'elle n'a plus de lien direct avec les autres Palestiniens. Et donc, il y a effectivement une division de cette société. Je ne parle pas des divisions familiales. Même sur la bande de Gaza, qui souvent était divisée en 4 parties durant l'intifada, même des familles n'arrivaient plus à se réunir. Il suffisait d'habiter la ville de Gaza pour ne pas pouvoir aller à Rafah voir ses parents. Donc il y a une destruction totale aussi, un essai en tout cas, de destruction des liens sociaux. Enfin, on essaye aussi d'éliminer une destruction politique de cette société. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les leaders palestiniens qui ont été assassinés, qu'ils soient de l'OLP ou à partir de la deuxième intifada, où vous avez, sur les 10 ans que j'ai été là, si je me rappelle, Yahya Ayash, Abu Shanab, Sheikh Hassin, Ali Abu Mustafa, toute une série de gens qui sont l'objet de ce qu'ils appellent, eux, des assassins, des target banking, donc une banque de cibles. Mais les assassinats ne vont pas seulement aux leaders les plus élevés, ils vont jusqu'aux militants de la base. Les assassinats, les arrestations, un exemple, Marwan Barghouti, les arrestations, mais aussi de simples militants comme Assilouane de Jawad Sihem, arrestations, déportations, tout ça depuis 1967 continue à avoir lieu. Destruction des organes représentatifs et politiques, je rappelle 2 choses, bombardement des parlements, bombardement de tous les postes de police et à Gaza et en Cisjordanie, bombardement aussi des ministères, l'aéroport de Gaza, le port qui n'a jamais été construit, et j'en passe bien d'autres. Marianne, oui? Vous avez encore 3 minutes. Ça va, très vite. 2 minutes. D'accord, 2 minutes. Alors, détruire l'économie rurale et industrielle. Les Israéliens ont détruit l'économie rurale, notamment en confisquant la terre et l'eau. Ils ont fait de beaucoup de Palestiniens une sorte de prolétariat qui n'a même pas de travail, puisqu'effectivement l'économie industrielle est elle aussi sous-développée ou dé-développée, comme dit Sarah Roy. Destruction du patrimoine et de la culture d'un peuple. J'aimerais bien mettre l'accent là-dessus, même si je n'arriverai pas jusqu'au bout. Destruction de la culture, c'est le point par lequel on voit effectivement que la politique israélienne vise plus que sa sécurité. Expliquez-moi pourquoi il faut démolir une savonnerie à Naplouse. Expliquez-moi pourquoi il faut détruire à certains endroits des arbres qui ne sont pas nécessairement des indicateurs de terrorisme. Si vous voulez, dans les questions, je pourrais répondre à ça. Destruction du paysage. Je suis très touchée par ça parce que je crois que c'est quelque chose dont vous ne vous rendez pas compte. C'est que la politique aussi, c'est de détruire le paysage. Que détruire le paysage de quelqu'un, c'est détruire son histoire. C'est détruire l'histoire collective
et l'histoire personnelle. Un de mes étudiants de Gaza, alors qu'on avait détruit une dune qui se trouvait tout près de chez lui, où il n'y avait rien, m'a dit les larmes aux yeux, ils m'ont tué mon enfance, ils m'ont tué mes rêves d'adolescent et mon lieu de refuge d'adulte. Et pour sa famille, c'était toute l'histoire de ce coin qui était morte. Enfin, un usage aussi, détruire évidemment l'éducation. Je passe Birzeit 14 fois fermé pendant la première intifada, fermé pendant 4 ans, etc. Ce que je dis, c'est qu'il y a aussi un usage de la violence qui est un usage délibéré pour détruire une société. On peut admettre cyniquement, dans une guerre, que je tue. Je peux admettre encore cyniquement que, étant me sentant attaqué, je détruise des maisons et je détruise des ministères. Ce qui est quand même moins admissible, c'est de savoir pourquoi j'empêche un étudiant de Gaza d'aller à Birzeit. Ce qui est beaucoup moins compréhensible, c'est pourquoi une femme qui arrive à un checkpoint doit subir une attente. Ce qui est encore moins compréhensible, c'est de savoir aussi pourquoi à Gaza, lors de cette guerre totale, on a dû détruire des maisons. On a forcé les gens à revivre ce que mes étudiants me disaient au téléphone, 48. Donc tout ceci m'amène à dire qu'en fait, il y a un véritable sociocide. Ça ne s'apparente à un génocide si on exclut la clause physique. Il n'y a pas de clause de physiquement, on ne détruira jamais tous les Palestiniens. Et d'ailleurs, je vous dis que même le sociocide ne fonctionnera pas. En tout cas, c'est mon idée. Et je donnerai alors deux, si je retrouve ma feuille, et je ne vais pas la retrouver, je dirais que pour le sociocide, en excluant l'aspect de la destruction physique, on pourrait dire que c'est un acte commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, notamment par le meurtre de membres du groupe, par l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, et par la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant être aidées à sa destruction. Je finirai par une citation de Diane qui disait « Les Palestiniens, ou bien ils doivent partir, ou ils vivront comme des chiens. » Je pense que c'est ce que la politique Israël vise dans son ensemble. Merci, Marianne. Nous avons deux questions. You can ask the question in English. I will try my best. Yes, we have two questions for you. First from Michael, and the other from Mairead. Yes, thank you. You've described very graphically your view in relation to genocide. I want to ask you a question in relation to another term which relates to apartheid. Under the International Criminal Court statutes and also Article 7, which defines crimes against humanity, one of the crimes is the crime of apartheid, which can be committed in relation to an act of extermination. And it's extermination I want to ask you about, because it's defined in another subsection. It reads as follows: extermination, which can be linked to apartheid, includes the intentional infliction of conditions of life, amongst which, it gives examples, the deprivation of access to food and medicine, calculated to bring about the destruction of part of a population. Having lived in Gaza, do you think that applies to Gaza? I'm sure this applies, and mostly know that we have the complete blockage of Gaza, but it's not enough to describe what is happening. No. I mean, it's only one part of it. I'm only asking because we're considering it in the context of apartheid. And I know, but I mean, what I want to say to the jury is to say that there is an intentionality in this policy, that it's a global and deliberate policy to destroy a society, even if it doesn't succeed till now. Another question? Yeah. Thank you, Michael. Mairead? Marianne, thank you very much for your excellent presentation. I would like to ask you perhaps to speak a bit more about the situation of women in Gaza.
I remember listening to Dr. Mona from Gaza, and she said that every single person, man, woman, and child, is traumatized. And we don't really talk about mental health and what this is doing to people on the ground, particularly mothers. I remember sitting at a military court where a man who had tried to build a house, Abu Fayaz, was being charged, and that military court was totally inhumane, the way they just processed all these young men into jail. No women were present because of the inaccessibility of the military court and because of the conditions under which they live. So I would like you to address the mental health and the situation of women and those in the camp of Gaza. First, I want to say that in this total global war against the population, because if it was only the war against the PA, okay, there are ways. It's a global war against all the population. So in this global war, everybody is psychologically diseased, men as women. Of course, for women, the problem is double, because they have the charge of the family, they have the children, and the problem is that the woman, of course, they are carrying all the family on their shoulders. And that with a man who is not working, because there is no work also, you have a man who is just at home and frustrated, and also using of violence against his family, so it's clear. But what I mean is that men as women are completely destroyed psychologically. I mean, Dr. Eyad Sarraj on Gaza Strip directed the Gaza Mental Health Program. He's saying that most of the people need psychologists to help. Myself, with some friends, we were making theater and we made drama therapy with children. And mostly it was the mother who was coming. Drama therapy, because the children, you will not believe me, we were putting them in circle, we were playing with them, and at what time we put music and we ask them just to lay on the ground and to close their eyes. No one was able to close his eyes. Wow. So this is also the effect of this policy. And I believe that one part of this policy, it's also to demoralize the people. And if you listen to the people, the soldiers from Breaking the Silence, they say it normally. They say the policy is to break the routine of the Palestinian and to make them anxious, to feel that they're all time somebody to look at them and to be able to catch them or to kill them.